Hey, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne TRB Gamer. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur RPG Maker MV, le système d'heures, années, saisons. J'avais déjà fait un tutoriel à ce sujet sur ma chaîne la semaine passée, mais le tutoriel n'est pas au complet. Que là, je le fais au complet, en plus, je l'ai traduit. Il y a des petites fautes mal corrigées avant de vous le partager, des fautes orthographes, des petites choses comme ça, que m'a juste. Corriger avant de le partager, mais j'avais le goût de faire le tutoriel tout de suite. Okay, on va commencer par vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vous montre. Bon, vu que le jeu a déjà commencé, mais vous montrer à l'intérieur du jeu qu'est-ce que ça donne avec les saisons, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme commande. Mettons rentrer dans un magasin ou dans un endroit à une telle heure, parce que sinon, mais faire des horaires d'ouverture, puis mettons les monstres, pas quelque chose comme ça. On va aller voir ça tout de suite. Mais agrandir la fenêtre, vous voyez mieux. Là, on voit qu'on a l'heure, puis qui a été traduit. Année, mois, jour, mardi. À l'intérieur aussi, heure, jour. Jour de semaine, mois, janvier, année, saison, printemps, temps de jeu. Que tout ça, ça a été traduit en français. Qu'est-ce qui est dans le plugin? Il y a des choses qui restent en anglais, mais pour nous, à l'œil, c'est en français. Ça aussi, c'est en français. Puis, quelques commandes que j'ai mis en français, parce qu'en anglais, des fois, on ne se souvient pas tout le temps. Que là, si on le met en français, on va s'en souvenir. On va venir voir tout de suite. Afficher l'horloge ou l'enlever. La commande, c'est vraiment là, enlever, mais vous le montrer, petite barre en bas, système UD. On va faire comme ça, là. On va vous le montrer, mais c'est vraiment enlever ou afficher. C'est pas disable ou des choses comme ça. Il y en a plusieurs qui aiment ça le laisser comme ça, disable time ou des choses comme ça. Mais pour ma part, j'avais le goût de le traduire en français. Là, on va l'enlever. On n'a plus l'horloge, on ne l'a plus ici non plus. Là, on va le remettre. Affiche. Là, elle est revenue. Elle est revenue là. Les aiguilles ont changé. J'ai ajusté un anneau en arrière de l'horloge. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Après ça, ici, on a ajouté l'heure et mois année. Là, on va y aller avec les jours. On est rendu deuxième jour. J'ai baissé le volume parce que je m'attendais à plus parler. Bon, mois, on est rendu deuxième mois. Année, deuxième année. Année. Là, il est midi. On va aller. Non, on va aller tout de suite cet avant. Change de samedi. On va aller là. Que là, on est déjà au printemps. Là, on s'en va à l'été. Les arbres ils ont changé. Les fleurs qu'il y avait là aussi. Là, c'est rendu comme des roches. Hop, c'est pas ça. Automne. Là, à ce moment-là, on a un effet de vent avec des feuilles. Les feuilles sont toutes tombées à terre. Deux arbres de couper parce qu'on se prépare pour l'hiver. On a mis des bûches. Puis là, c'est là que ça commence à être intéressant. Là, vous avez remarqué aussi le reflet de soleil qu'on a ici au printemps, été, automne. Puis à l'hiver, mais là, il va. En tout cas, vous allez remarquer. Là, l'hiver. J'ai complètement été sur Photoshop, j'ai fait une nouvelle map, puis j'ai fait un thème hiver. Là, mais j'ai ajouté mes arbres d'hiver, puis ces choses-là. Puis quand que, peu importe, on traverse ou tu fais en sorte que, mettons là, en janvier, là, hiver, en février, mais c'est l'hiver. Ça, vous pouvez le faire. Là, je l'ai juste pas fait d'un commande, mais vous pouvez le faire d'un commande. Après ça, là, il est midi. On peut rentrer. Non, pas tout de suite. On va retourner là. Là, on va avancer l'heure.
Après le tour, là. Ah, c'est l'heure. Là, elle est de même. Là, vous avez remarqué la petite bébite ici sur le terrain. Elle va changer. Le soir, ça va être rendu une chauve-souris. Là, voilà. Elle a changé. C'est rendu une chauve-souris. Là, c'est sûr qu'on voit quasiment pas parce que c'est le soir. Là, faut que j'aille chercher un plugin ou un effet, en tout cas, lampe pour la lampe de poche. La lampe de poche. Que là, la porte est fermée parce qu'il est dépassé 6 heures. Elle rouvre à 9 heures le matin, puis elle ferme à 6 heures. Dans le fond, c'est une école que j'ai faite. Qu'on va revenir ici. On va ajouter l'heure. C'est 3 heures. 3 heures. Et là, c'est là. Là, il est 6 heures. La porte est encore fermée. Là, c'est là que je vais parler du rayon de soleil. Là, on remarque que mon rayon de soleil n'a pas changé dans ce tableau-là, cette map-là. Mais dans l'autre map, il y a. À 6 heures le matin, 6 heures le matin, on a un rayon de soleil qui apparaît. Parce que c'est le lever du soleil. Là, on va s'en aller ici. On va ajouter l'heure. On va avancer. Hop, le rayon de soleil, il est disparu. Mais il neige toujours. Ici, c'est une autre commande que j'ai qui se fait, désactiver ou activer. Là, on désactive au lieu de l'enlever, on désactive l'heure. L'heure arrête de bouger complètement. Sauf le chrono. Le temps de jeu, lui, il roule toujours, mais l'heure arrête de tourner complètement. Ce que j'ai à dire, le plugin System Time, si, moi je pourrais dire plugin, parce que là je l'ai traduit en français, c'est Heure System. Ce plugin-là, c'est dans le fond, c'est juste l'heure. Juste l'heure. L'heure. Avec mardi, février, hiver, pas hiver, mais mardi, c'est jour, mois, année. C'est un gros système avec les interrupteurs puis les variables. Je pense qu'on a quelques commandes en commun qui fait le plugin Heure System. Après ça, le plugin Heure System 1, ça c'est un add-on pour le système Heure System. Que ça se trouve être celui-là. Puis quand là, il y a comme une erreur, tu sais, j'en ai parlé un peu sur l'autre plugin, sur l'autre tutoriel, ici, que là, ça vous prend le plugin menu background, que là, ça donne une photo, ça donne un style, puis en plus qu'ici, la transparence, ils ont mis de la transparence, puis ils ont affiché un petit peu plus l'heure, parce qu'il y avait comme une erreur ici, c'est pour ça que ça vous prend. Le plugin menu background. Après ça, le plugin météo. Ça, c'est pour l'effet de météo. Là, on va aller voir ici. Mettons qu'on va aller à l'été. Les arbres, je vais donner des commandes. Effet pluie. Ça, c'est on est, mettons, un effet. Je sais pas quoi, là, avec ifrit, là, mettons. Là. Là, une journée qui est maussade, il mouille. C'est correct. On a des effets de même. Alors, c'est effet vent, si on l'a vu. Celui-là, je l'aime moins. Après ça, celui-là, je l'aime bien. C'est la Saint-Valentin, mettons. Là. Un petit vent avec des fleurs. Après ça, on a ici, celui-là, je l'aime bien. Les nuages. Ça, c'est un petit peu. Trop. Après ça, la neige, si on l'a vu. Ça, c'est la même chose, la neige qui tombe de même, mais oui, vert. En tout cas, je le mettrais blanc à la place, là, mais bon. Que c'est ça. Après ça, on peut stopper l'effet. Stop effet. Que là, on n'a plus rien. C'est tout des commandes. Là, mettons que je vois à l'hiver. Le tutoriel risque d'être long un petit peu parce qu'il me reste dans l'éditeur à vous montrer. Là, on a vu tantôt que la porte est ouverte, qu'elle était fermée. Là, on va rentrer parce qu'elle est supposée être ouverte. Quand on va aller voir, là, on peut rentrer. Ça, pour ma part, c'est un petit projet que j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. C'est encore sur Photoshop. Je l'ai mis de même pour vous le montrer vite fait.
Dans le fond, ça va être une classe, là. Lui va rentrer, il va s'en venir, puis elle va parler, blablabla. Puis c'est ça. Là, regarde, là, on voit qu'on n'a pas l'effet de neige. Parce qu'on a rentré, il y avait de l'effet de neige. Là, il n'y a pas d'effet de neige dans la maison. Ça, c'est une commande sur le. Quand on va sur l'éditeur, il faut cliquer à droite sur notre map, là, puis aller éditer, puis aller dans les commentaires, marquer une remarque pour que, à l'intérieur, que c'est. Désactiver teinte écran. C'est rendu ça au lieu d'être en anglais, là. C'est désactiver teinte écran. Puis désactiver. Il y en a un autre. Parce qu'on est à d'y aller. Je pense que j'ai fini avec le petit démo. Je pense que oui. J'ai pas rien d'autre ici. On est déjà l'hiver. Ça, c'est montré. Stop, c'est montré. Ouais. Okay, on va aller sur l'éditeur. Si l'éditeur m'a montré tout de suite les plugins, ça vous prend. Un système, ça vous prend celle-là. Un système une, ça vous prend celle-là. Météo. Menu background. Là, je sais que je l'avais donné, mais il est en anglais, là. C'est marqué Mug Time System. Mais là, faut vraiment prendre TRB Air System. TRB Air System 1, météo, puis celui-là. Les 4 TRB, parce que sinon, si vous prenez 3 TRB puis un mug, mais ça fonctionnera pas. C'est les 4 ensemble, de cette façon-là, placés la même façon. Moi, j'ai pas de problème, que placé comme ça, ça devrait pas avoir de problème. Ensuite, si on rentre ici, qu'est-ce que je peux dire? J'ai traduit ici en français. Plusieurs choses qui est comme restent en anglais, mais comme j'ai dit, dans le jeu, c'est en français. Que pour tout de suite, je trouve ça bon parce que c'est beaucoup là, que j'allais dans le plugin, puis il y en avait quatre que là, c'est ça, j'ai traduit en gros là, pour le mieux. Time Speed. Sur l'autre tutoriel, il est à 120 en défaut. Je l'ai réglé à 10 en défaut. Vous pouvez changer à tout moment. 120, c'est comme l'autre tutoriel. Moi, je l'ai essayé le plus bas, là, je l'ai mis à 1, mais je trouve que ça tourne pas pantoute. Après ça, je l'ai mis à 3. À 3, c'est comme nous autres, une minute de vie, c'est 2 minutes de jeu que j'ai trouvé ça pas pire. Puis à 10, c'est comme qu'on a vu dans le tutoriel. Aussi, je trouve ça vraiment pas pire à 10, ça tourne quand même pas pire. Je trouve ça correct. Que 10, je vous laisse à 10. Je l'ai réglé de même par défaut. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai traduit quelques affaires en français et une couple d'affaires qui est restée en anglais. Comme ici, je vous dis qu'il y a des choses qui est traduit en français d'aller plus bas. Parce que j'ai pas encore Internet, je peux pas tout traduire en français. Je joue avec ma tête puis mon téléphone. J'ai pas d'Internet non plus. Je joue avec un petit traducteur que j'ai téléchargé. Mais il va y avoir Internet d'ici quelques semaines. Ça va aller, ça va rentrer. Après. Là, ici, on voit une commande du plugin de système 1. Désactiver 1. Ça, c'est, je dis ici, ça, c'est dans la note de votre map. Donc, on clique ici à droite, on fait Edit, puis dans la petite note là, qu'il y a, là, on marque tout ça, même avec les petites barres au complet. Et ici, c'est pour désactiver la teinte d'écran. Comme j'ai parlé quand je rentrais dans l'école, il n'y avait pas. Mettons, je rentre le soir hein, dans un endroit, mais là, on va rentrer dans l'école, mettons, puis il va faire clair parce qu'on désactive la teinte. En tout cas, c'est ça. Pour afficher ou enlever l'horloge, on l'a vu. Affiche 1, enlever 1. Ça c'est une commande d'événement. Vous faites, vous créez un événement, vous cliquez Edit, puis après ça vous cliquez sur Contenu, puis vous faites commande module, puis vous tapez ça, affiche heure ou enlever l'heure. Moi ça, forcer l'activation ou désactivation en commande événement, même chose. On clique à droite, éditer, commande Contenu, comme je viens de dire là. Là, c'est affiche ou désactivé, comme qu'on a vu dans le tutoriel tantôt là, dans le démo. Ça, c'est le système de jour, aube. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'aube.
de 3 h à 5 h, lever de soleil de 6 à 8, jour de 9 à 14, coucher de soleil 15 à 17, crépuscule de 18 à 20 h, nuit 21 à 2 h, jour chiffre. Je ne l'ai pas marqué en français, le chiffre, je trouvais que c'était mieux en anglais. Jour chiffre, 9 h à 18 h, nuit chiffre de 21 h à 6 h. Que pour la bébite de jour, c'est une petite bébite bleue, j'ai mis celui-là. Après ça, de nuit, j'ai mis celui-là. On va voir ça tout de suite après. Manipuler l'heure, il y a des commandes script qu'on peut faire aussi. Comme pour avancer l'heure, les années, ces choses-là. Vous marquez ça dans l'événement, vous allez commande script, puis vous marquez tout ça. On va le voir de plus près. Puis ici, on est rendu à 1.4 parce que là, j'ai quand même traduit plusieurs commandes. Puis, ben, c'est ça, j'ai l'horloge, une couple de choses que ça valait la peine de faire, de marquer 1.4. Puis le pourquoi, traduire en français, blablabla. J'essaie de faire ça vite parce que j'ai essayé de faire le tutoriel hier soir, puis c'est un tutoriel de 40 minutes que j'essaie de faire ça vite. Et là, on a vu Time System. Heure System, désolé. Là, c'est le HUD, c'est l'horloge. L'horloge ici, on n'a pas vraiment grand-chose. J'ai pas vraiment touché ici. Ça s'affiche direct. Non, j'ai oublié quelque chose ici. Ben juste faire afficher ça. Image système, ça vous prend pour le dans le fond c'est pour le HUD. Ouais, je m'en venais à ça. Ok, je m'en venais à ça. Okay, pour le plugin HUD, il va avoir ces photos-là à ajouter dans système. Système, il y a 4 photos à ajouter. Ça, c'est pour l'horloge. Ensuite, pour la météo, il y a celui-là qu'il faut ajouter. La météo. Ensuite, pour le menu, vous ajoutez aussi celui-là. Vous copiez-collez, vous le créez, puis vous rentrez qu'est-ce qu'il y a dedans dans votre dossier. Et ensuite, la météo va fonctionner. Puis celui-là aussi. Puis le système. Système. Bon, un coup que ça, on a vu ça. Là, on revient là. Là, on a parlé des dossiers. Ici, j'ai pas vraiment à ajouter. On a mis à français 1.4. Ça, que tu sais, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui étaient traduites, puis d'autres choses non. Que, comme j'ai dit, les images, on vient des voir. Image système pour l'horloge. Ça, c'était simple. Mais dans le plugin, il fallait que. Sont reliés ensemble. Si maintenant tu changes une lettre à 4 ports, arrive pour mettre l'autre, il fonctionne pas. Hein? Pourquoi que ça fonctionne pas? Même si j'avais changé ces 3 lettres-là ici, ça fonctionnait pas pareil parce qu'il y avait une autre commande dans le plugin à 4 ports qu'il fallait changer pour qu'ils se relient ensemble. C'est ça, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long que 2 jours. J'avais dit que j'étais pour être là en 2 jours, mais là, c'est ça. Dans le météo, il n'y a pas vraiment de valeur à ajouter. Un plugin qui permet d'activer la météo. Assurez-vous d'avoir placé les dossiers à la bonne place. Image, waiter. Ça reste pas mal en anglais. J'ai pas changé. C'est juste dans le jeu que ça change. Ici, on n'a pas vraiment de commande. Oui, la commande pour moi, c'est ça, pour arrêter l'effet de l'eau. Celui-là. De l'eau, ouais. Les effets, en tout cas, de météo. On a vu celui-là. Celui-là. Pasté, j'ai pas vraiment touché. Corriger pour ajouter l'image et corriger le menu. Tu sais, dans le dossier menu qu'on ajoute dans notre projet, comme on vient de voir, le pas long.
Vous pouvez changer l'image comme vous voulez. Vous allez sur Photoshop, puis vous prenez le même size, ou vous faites juste ouvrir la même image, puis là, vous copiez un calque là, pour avoir le même size, puis là, vous mettez la photo que vous voulez, vous le remettez à la même place, au même nom, mais la photo qui est déjà là, mettez-la dans un dossier sauvegardé, genre. Puis là, mais vous pouvez mettre une autre photo là, à tout moment, c'est pas grave, mais pourvu qu'il soit sur le même nom. C'est ça, ici il est possible d'activer ou désactiver le fond de menu. Ça, c'est les trois images qu'il y avait dedans. Ça, on a les quatre plugins. Donc, on a vu ça. On s'en vient tout de suite. Pas ça. Événement commun. On l'a vu dans l'autre tutoriel, mais je le passe très vite. Quand j'ai envoyé la démo, je pense que je l'ai envoyé compilé, je l'ai envoyé en démo. J'ai complètement oublié de vous l'envoyer parce que là je parlais de monter ça sur un Android, que là j'avais la tête à compiler. J'ai complètement oublié, je pense, de vous le laisser pour que vous puissiez l'ouvrir. C'est comme ça de même. Je pense que vous pouvez pas. En tout cas, je suis pas trop sûr, mais là, m'a l'envoyé. M'a copié le projet, je le compilerai pas, m'a copié le projet puis m'a voulu l'envoyer comme ça, mais je crois que vous pourrez l'ouvrir comme ça, mais juste voyons, comment je pourrais dire, vous ouvrez deux projets, un coup vous avez téléchargé le mien, vous ouvrez le vôtre, vous ouvrez le mien, vous copiez, collez un bord et l'autre, là comme ça va aller plus vite pour vous autres. Ces trois choses là, ces quatre choses là en événement commun. Après ça, là, d'un interrupteur, c'est la même chose. De 0 à 20, il y a seulement la 9. Faut vraiment la mettre à la 9. Dans le système, je sais pas pourquoi, mais il n'y a rien marqué. Mais la 9 est utilisée par le système. Que si vous mettez quelque chose sur la 9, ça se peut que tu comprends pas pourquoi que ça bug, là. Mais le système utilise la 9. Que moi j'ai marqué année, comme ça, mais je me trompe pas, je sais que le système y apprend. Ensuite, de 21 à 40, on a toutes ceux-là à copier-coller ou les créer, comme vous voulez. Mais il faut qu'ils soient placés à la même place. Parce que sur le plugin, il y a des. Je vous le montre tout après, là. Ils sont indiqués, puis il faut que tout soit aux bonnes places, puis il y en a beaucoup, que c'est pour ça. Même chose pour 41 à 60. On va ajouter tout ceux-là. Après ça, ici, il n'y a plus rien d'autre qui nous intéresse pour le système. Juste ceux-là, ceux-là et celui-là. Après ça, variable. Variable. On a heure, jour et mois et année. De 0 à 20, placé à la 10, 11 et 12. C'est ça. Ça, on a eu ça. Ça, c'est fait. Il nous reste. Là, m'a montré ici. Là, ici, c'est afficher choix pour le. Soit, bon, on affiche un choix, que ce soit pour enlever l'horloge ou ajouter l'heure ou stop effet pour l'appui, mettons. Que là, ici, lorsque heure 1. Lorsque R une texte. Ok, c'est ici. Lorsque enlever fenêtre, enlever l'horloge, lorsque enlever commande module, enlever R, comme je disais tantôt, là, c'est en français. La commande module est en français. Elle ne sera pas trop compliquée à s'en souvenir. Afficher, c'est la même chose, c'est juste sens contraire. Afficher 1. Lorsque on dit ajuster un jour et année, on tombe sur les choix. Lorsque avancer de 3 heures,
Là, c'est là que c'est un commande de script. Script. Là, on marque tout ça. Si vous ne savez pas trop c'est où, c'est à la troisième, complètement en bas ici. Commande script, que là, vous tapez votre commande. Ou, comme vu que je vais vous partager le projet complètement, la chose que vous pouvez faire, c'est que au lieu de copier un par un, vous copiez le bonhomme, copiez, vous allez sur votre projet à côté, puis vous faites coller. Puis là, mais là, ça se peut que le bonhomme n'y affiche pas. Vous faites juste choisir un acteur, n'importe quel. Mais en général, la commande est copiée. C'est pas la meilleure façon d'apprendre, mais parce que c'est un gros système, c'est long. Mais si vous voulez apprendre un petit peu plus, sur les commandes script, taper ces affaires-là, c'est mieux de le faire. Vous pouvez le mettre à côté, puis vous checkez. Bon, ben, faut que j'aille dans la commande module, là, tu tapes. Là, après ça, ben, faut que je fasse afficher lorsque, je sais pas, après ça, commande script, en tout cas, ainsi de suite. C'est ça. Là, c'est la même chose pour avancer, puis ça. Ici, pour changer les saisons. Lorsque printemps, commande script, parce que ici c'est pour désactiver, parce que je veux pas qu'il mouille, je veux pas qu'il vente, je veux pas qu'il rien au printemps. Mais ben là, j'ai pas checké. On peut mettre une autre. On a pu faire printemps. Je sais pas. Printemps. Interrupteur. Celle-là. Printemps. Printemps. Lorsque, mettons, ça peut être ouais, printemps. Quand que printemps, il mouille. T'sais. Vous faites des commandes de même. T'sais. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Lorsque printemps, je sais pas moi, tel mois, il mouille. Ou hiver, février, cinquième journée, je sais pas si ça se fait. Là. Ou telle journée, mardi, mercredi, ou la fin de semaine, il neige. C'est un gros. C'est un gros système qui est indispensable pour notre jeu. Ça nous le prend. C'est vraiment important. Après ça, ben là, c'est ça. Ça, c'est pour le printemps. Encore la même chose. Ça va commande de script. Puis, vous marquez celui-là. Ça, c'est pour le printemps. Pour l'été, c'est celui-là. Saison 2. Ça, il n'a pas été vraiment changé. Une couple de choses, je vais laisser en anglais. Saison 3 pour automne. Tu sais, l'automne, regarde-moi corriger, j'ai une faute, je l'ai faite, il était très tard. Que... Surtout 4 plugins à checker. On en a celui-là. Ensuite, là, c'est ici que j'ai dit, lorsqu'hiver, j'ai refait une map. La même maison, la même map, sauf un thème hiver. Que là, on me transfère dans l'autre map qui tombe l'hiver. Je fais une commande module pour afficher la neige qui tombe dans l'écran. En plus que là, je dis au système qu'on est l'hiver. Que là, en faisant ça, l'interrupteur hiver, c'est ça, il s'active. Que là, vous pouvez... c'est parce que celui-là, c'est... ben, c'est ça, c'est quand que je tombe ici, ça, j'active tout ça. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Là, je l'ai fait de cette manière-là. Le plus simple, vous montrer les commandes et les effets. Ça, c'est le plus simple. Là, je ne me souviens plus si je vous ai montré les armes là, dans le démo. Là. Je fais vite. Ça, c'est le stupide que je l'ai mis dans l'arbre. Là, mais c'est juste pour vous montrer les commandes de la météo. La même chose, lorsqu'afficher le vent A, ça c'est les petites feuilles vertes. Commande module, vous marquez ça. Le vent B, vous marquez celui-là. Ça c'est pour... je l'aimais pas en tout cas celui-là. Là, c'est un light, là, c'est une genre de lumière qui flotte dans l'air. Je l'aime pas. Flower, lui je l'aime bien, c'est la fleur rose. C'est ça. Là, ici, interrupteur pour l'arbre, interrupteur printemps. Que quand c'est le printemps, cet arbre-là va s'afficher.
Mais si l'interrupteur printemps n'est pas appuyé à on, genre, par le système, ça s'en va direct. Non, mettons qu'on s'en va à l'été, parce que là, on joue avec des été, printemps, automne, hiver. Et là, si c'est été, on change l'arme. Mais ici, c'est la même commande que dans le 1, parce que je veux pas que ça change. La même commande que les 4. Mais c'est juste ici l'interrupteur qui change. Hiver, automne, soit j'ai encore une faute dans automne. Que c'est ça. Là, vous affichez ça de même. Il n'y a pas de interrupteur on à A ou des choses comme ça. Non. C'est tout de même. Ça, c'est pour le vent. Ici, c'est pour la pluie, effet, le feu, commande module, feu, la pluie, water, 4, 8, rain. C'est ça. Ici, c'est la même chose pour l'arbre. Il y a juste l'interrupteur condition qui est. C'est tout. Ensuite, celui-là, ça c'est pour les nuages. Même chose, commande module. Les nuages. Ça, c'est l'autre nuage. Même chose pour cet arbre-là. La bébite. La bébite, il n'y a rien d'affiché parce que je parle pas, je fais pas rien avec, mais c'est juste pour vous montrer que, regarde ici, aucun interrupteur, il n'y a rien. Mais la deuxième page, condition interrupteur, si nuit, chiffre 21h à 2h du matin, 6h, je pense. Je vais vous le montrer. Ça, c'est de jour. Non, là, parce que là, je suis de nuit. Le chiffre nuit, c'est celui-là. Le chiffre nuit, on affiche celui-là. Puis le jour, on peut afficher celui-là. Mais comme ça. Simple comme ça. Les arbres, ben, là, c'est un peu la même chose, là, ici. Là, lorsque printemps, on affiche. Puis lorsque été. On affiche encore, mais automne, hiver, j'affiche plus rien sur le top parce que je veux qu'il disparaisse parce qu'on l'a coupé. Ici, c'est la même chose. Lorsque printemps, il affiche ça. Lorsque été, il l'affiche, mais lorsqu'automne, on l'a coupé. Puis hiver, mais là, il y a de la neige dessus. Pour les plugins, tout ça, c'est ça. Vous allez avoir ces arbres-là que vous ajoutez. Pour l'hiver, automne, ces choses-là, mais pour la map là, hiver, comme j'ai fait, ça c'est vous qui vous êtes obligé d'aller faire une map avec un thème hiver. Là, c'est là, c'est à ce moment-là, vous ajoutez vos événements été-hiver, puis ces choses-là. Là, ça fait qu'on a vraiment un très beau tableau comme j'ai fait en hiver. Ici, à l'intérieur de maison, remarque, comme j'ai parlé tantôt, je l'ai mis en français. Désactiver teinte écran. Et ça désactive la teinte. Si on est la nuit puis on rentre dans le magasin, ça désactive. C'est la même chose ici aussi. Ça. Alors ça, quand que je tombe à l'hiver, il neige. Mais là, quand que je rentre dans la maison, dans l'école, je veux qu'il arrête de neiger. Que là, dans ma porte, dans la porte, j'ai fait la commande. Que là, on voit encore ici, j'ai aucun interrupteur. Je marque ça. En tout temps, on va toujours, toujours marquer ça. Seulement, si mon interrupteur jour chiffre de 9 à 6 heures, ouais, c'est ça, jour chiffre de 9 à 6 heures, là, c'est à ce moment-là, elle va me changer ma transparence parce que là, c'est une nouvelle map, une nouvelle affaire que je suis en train de faire. On enlève la transparence. Transfert la joueur dans la nouvelle map. De ce moment-là, je fais la commande module pour arrêter la neige ou la pluie. Celui-là, BBEX Clear, ça c'est les petits points verts là, ou les petites lumières qu'on veut passer. Là. Bon, mais ça c'est pour le désactiver. Puis Filter Clear, lui je me souviens plus trop, mais en tout cas je mets les trois ensemble. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de bug. Ça le désactive. Au pire, vous faites des tests, là. Mais moi, en tout cas, j'ai décidé de le mettre de même. Puis là, mais c'est ça. Ça nous transfère dans la maison. Puis, ici. Lorsque printemps,
lorsque printemps, là c'est là que ouais, elle m'envoie dans la map où est-ce que ces maisons étaient, genre. T'sais, vous comprenez là, un peu, là, ça, je m'en vais pas sur la map d'hiver. Même chose si l'interrupteur était, je m'en vais sur la map où est-ce que la maison était. Automne, même chose. Hiver, hop, on reste sa maison de l'hiver. Puis ici, on enlève la transparence off, que là, ça fait que quand que je rentre, je ressors, mais je ressors au même thème, puis c'est ça. Je pense que je vais m'arrêter du tutoriel là parce que ça fait un gros tutoriel. Mais si j'oublie quelque chose, vous le dire dans la description ou dans les commentaires. Puis si vous voyez une erreur ou quelque chose, dites-moi-le dans les commentaires, puis m'a corrigé. Il se peut que je fasse une mise à jour pour l'horloge. J'en fasse une améliorée là, encore plus. Ça se peut que je change une coupe d'affaires. Vous avez juste à si je renvoie un dossier, là, mettons, là, vous avez juste à me juste renvoyer genre juste la photo de l'horloge que vous copiez celui-là, vous le mettez dans un dossier sauvegardé, puis vous mettez la nouvelle là. Si vous l'aimez, vous gardez. Si vous l'aimez pas, vous prenez votre ancienne version, genre. Mais en autant que ça soit sur le même nom. Les aiguilles ont été améliorées un petit peu, puis c'est ça. Mais comme je vous dis, ça se peut qu'il y ait des petites mises à jour, que ce soit n'importe quoi, même mal dire quand même assez clairement. Ici, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient enlevées. Je sais où que je voulais voir. Menu. Ça, non. Non, c'est dans le plugin. Dans le plugin, là. Comme je dis, si je retraduis encore un peu plus en français, c'est. M'envoyer comme le plugin, mais vous avez juste le seul changement qu'il va avoir à faire, c'est à enlever le plugin puis à mettre le nouveau, mais il n'y aura pas de changement à faire dans le jeu. Ouais, t'as peu. Si vous mettez un nouveau plugin, une nouvelle mise à jour que vous m'envoyez, mettons, s'il y en a une, pour celui-là ou pour le HUD, là, mettons, bon, mais vous le changez comme je viens de faire, on le met dans le dossier sauvegarde, on le met là. Puis ici, vous êtes obligé de faire comme effacer. Puis vous le reprenez. Vous le remettez à la même place. Vous faites on. Puis vous checkez si tout est correct. En général, là, vous allez voir tout de suite. D'après moi, ça va être ça ici. Qui va être en rendu en français. Puis une admiration sur l'horloge. Quelques petites affaires. C'est ça, faut juste l'effacer, puis le reprendre. Le reprendre. Le remettre là, c'est tout. Ça devrait fonctionner. Parce que pour ma part, j'ai déjà essayé un petit peu, puis c'est juste de même que ça fonctionne. Quand je me faisais comme une petite mise à jour à moi-même, bon, ben là, je change ça, poup, poup, ça fonctionne, j'ai rien à faire, juste à changer ça. Que ce serait pas trop compliqué pour les petites mises à jour que m'a vous envoyé, s'il y en a pour ce système-là. Que je vous laisse là-dessus. Je veux pas que ça dure trop longtemps, c'est quelque chose, mais comme je vous dis, ça va être dans les commentaires ou sur un prochain tutoriel. Je vous remercie. À la bientôt.